C'est comme ça. Et puis c'est tout. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la présentation de mon 900D custom et de mon watercooling personnalisé. Donc j'ai une carte mère Asus Rampage 5 Extreme avec une GTX 1080 Titan Strix de chez ROG avec un radiateur en 140 mm et en 360. Donc c'est parti. Pour cette création, donc à l'intérieur j'ai du carénage sur mesure que j'ai découpé dans l'alu guibon 3 mm. Donc c'est de l'alu guibon mat d'un côté et brillant de l'autre qui s'achète dans le commerce et qui se vend par plaque de 2 mètres par une. Donc la mise en place, vu que c'est du sur mesure, j'ai pas utilisé de vis ou de super glue, voilà, c'est taillé sur mesure et ça s'emboîte à la perfection dans mon boîtier. Donc l'alu guibon c'est non ferreux, donc pas de souci au niveau de l'électromagnétisme, pas de souci de ce côté là. J'ai utilisé pour mes basses câbles du 6000 cuir rouge que j'ai cousu pour faire une finition assez sympa. Donc ces passe câbles, je vais les fixer directement sur l'alu guibon que j'aurai bien sûr pré-percé pour ça. Donc des passe câbles, j'en ai utilisé 3 de différentes tailles, différentes formes qui viennent tout autour de la carte mère que j'ai mis quand même assez loin de ma Rampage 5 pour avoir une courbe assez sympa au niveau de mes câbles. J'ai dû disquer l'arrière du boîtier bien sûr pour faire passer ces câbles à cet endroit là. Au niveau des étages dans mon PC, donc j'ai mis une plaque tout en bas et une plaque intermédiaire. Plaque intermédiaire où j'ai fait un pan incliné pour venir mettre mes deux SSD SanDisk Pro, SanDisk Ultra 2, pardon, 480 Go. J'en ai deux qui sont qui vont être en RAID 0. Je vais acheter un contrôleur, là je vais les mettre en RAID 0 dans pas bien longtemps. Ce pan incliné il se fait en deux parties. Je viens positionner une plaque en plexiglas transparent au-dessus pour faire un effet brillant vitre quoi, et une plaque en plexi opaque où viennent se mettre mes deux SSD. Au niveau de la finition de mon alu, donc j'ai mis du sticker rouge pour l'extérieur et carbone, effet carbone pour l'intérieur. Donc cette plaque qui vient supporter les deux SSD, je les ai fixées avec des équerres et des vis sur ma plaque intermédiaire. Cette plaque du coup elle est en plexi opaque comme je disais. Elle va être rétroéclairée avec de la LED pour faire un effet sympa, un halo de lumière derrière les SSD, vous verrez ça. À l'arrière du boîtier, j'ai obstrué les aérations. Donc certains me diront « Waouh, pourquoi t'as fait ça? C'est inadmissible, machin. » J'ai fait ça juste pour l'esthétique. C'est vrai que certains me diront que c'est pas cool, mais j'ai fait ça parce que je trouvais ça sympa. Donc la finition carbone à l'intérieur, donc je me suis un peu embêté pour fixer le carbone, surtout au niveau de... du point incliné, mais le rendu est plutôt sympa. À l'arrière du coup j'ai commencé à mettre en place mes câbles, mis en place les deux SSD et le support du réservoir. Donc pour le support du réservoir il vient se fixer directement sur l'alu guibon qui lui-même est fixé à l'alu du boîtier. J'ai mis en place les 4 passe-cloisons
pour mes tubes de water cooling qui sont en PETG à l'intérieur, donc plastique rigide, que j'ai thermoformé pour les angles, et j'ai mis du tube souple pour l'extérieur entre guillemets du boîtier, donc tout ce qui est pas visible. J'ai fait un carénage en plexi opaque pour le réservoir. J'ai mis en place la LED du coup. Ce plexi là, du coup j'ai fait des découpes au niveau des stickers pour faire ressortir le logo Republic of Gamer. J'ai mis en place la pompe et tous les composants et il n'y a plus qu'à mettre en eau. Voilà, du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Voilà. Bonne journée.